Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau jeu Rustilek Underground Blossom. Je ne me suis absolument pas spoilé. La dernière fois que vous avez vu un let's play de Rustilek, c'était avec ma compagne. C'était sur The Path to Isin. J'espère que ce let's play d'ailleurs vous a plu. Je n'ai pas encore les retours au moment où j'ai tourné cette vidéo. En plus, je sais qu'elle sortait en fin d'année. Donc c'était un petit peu. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, vous, c'est là. On va commencer du coup ce tournage. On va voir un petit peu ce que c'est. Ça se passe apparemment dans un métro. Ah, j'aurais peut-être dû checker le son avant. Ok. Je vais juste checker le son. Voilà. Parce qu'à mon avis, ça doit être quand même un peu brutal pour vous. J'ai pas fait des tests de son, alors je sais pas si. Lando. Ok. Ah. On connaît cette femme. C'est la fille de. Mince. Ok. C'est la fille d'Albert, hein, évidemment. Ok, d'accord. Bon, là, il y a un code, visiblement. I'm glad you're here. This is my daughter Laura. D'accord, donc elle a une Please vie. take care of her. D'accord. J'ai pas de couche visiblement. Ok, j'ai pas vu. Oula, ok. Gagner un voyage à Rusty Lake. Ok, il y a un truc là, mais. Siameto. Ok. C'était logique, hein. Ok, je comprends l'idée. Yes! Super. Okay. La grande classe. La grande classe.
Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais, hop. Oh. Elle a pas réveillé, elle. Hein. Une raclette. Ah, d'accord. Le futur se réalisera. Ok. Et donc. Ok, vaguement. Je sens que je vais sortir l'appareil photo. Alors, on va essayer de le faire de tête. Non, c'était pas ça. C'était ça, hein? Non, c'était ça. Dix heures et quart. Ok. Bon bah Rose, je sais pas, faut pas que je prenne l'enfant, enfin. Ok. Bon. Ticket, please. Ticket to the next station. One coin, please. One coin. Une pièce. D'accord. Ticket to the next station. One coin, please. There you go. Have a nice journey. Thank you. Have a nice journey. Ah oui, non, mais oui, du genre. Ah d'accord, ok. Non, je pensais qu'elle allait embarquer l'enfant, du coup. Et puis,
Ok, mais en gros, occupe-toi de ma fille, ça veut dire, tiens, fais-lui le biberon et change-lui sa couche. En gros, c'était ça. Et puis, on part pas du tout avec la gosse, en fait. Moi, je pensais qu'il y avait, y allait y avoir un truc. Enfin, que c'était le début d'une histoire où on allait être accompagné d'une enfant, quoi. Alors, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, je... Qui est les enfants? Oh, on va voir... Ah! C'est pas ça. On va voir la vie de Rose à travers les yeux d'un ami. De je sais pas qui. You have made it to this year. I don't want to leave her, but I might have to. Ah, elle mince, j'ai pas vu la fin. Protect her also in the years to come. J'ai pas entendu la fin de sa phrase. D'accord, ok. Et donc toi, c'est... Laura. Oh merde. Ah, oh, j'ai pas tilté. Mais oui. C'est Laura Vanderboom. Et donc Laura Vanderboom, c'est la petite fille de Albert. Oh merde. Mais... Elle a été butée par le corrupteur de sol, c'est pas son grand-père qui l'a butée. Moi j'ai compris, c'est que le corrupteur de sol apparaissait, enfin, c'était pas une seule entité. Le corrupteur de sol, c'est la part sombre qui est en chacun d'entre nous. Enfin, entre dans chacun des personnages. Et qu'en fait, le corrupteur de sol de Laura, c'est sa dépression. D'accord, on a toujours les objets de... Ok, vieux chewing-gum. Oh, super! On va lui donner un vieux chewing-gum, ça va être génial. Bon, faisons le tour. Ok. Vacances du petit au gros budget. Sourire. Bon, il y a une clé. Et s'il y a R. Oh, Monsieur Hall. Ah. Une affiche, ok. Ah. Ses yeux se sont éclairés ou c'est juste un effet avec la souris? Mais bon. Monsieur Hall, bien sûr. Any news? Any news? Des nouvelles. Ok, donc lui, à mon avis... Hands off. Hands off. Hands off. Ouais.
Oh. Oh. Ok. Ah, je l'ai. Ok, d'accord. Ok, ok. Oh, oh, j'adore ça. Un taquin. Ah non, je pensais que c'était un taquin, mais en fait non. Il manque une pièce. Mais le principe d'un taquin, c'est que justement... Parce qu'une attaque, c'est justement, il manque une case pour pouvoir... bon. Bon. Tiens, Laura, tu veux un bonbon? C'est dégueulasse. Ok. Excusez-moi. J'ai mal à la gorge, alors j'ai la lysopaïne dans la bouche pour ça. Sourire. Ah. Un regard pétillant. Un bracelet neuf. Une nouvelle coupe. De grands cheveux. De grands yeux. Un sourire plus large. Une surprise. Une urgence appelée le 53 114. Et je sais pas où est passée Laura. Ah, attendez, excusez-moi. Je les avais pas vus. Alors attendez. Qu'est-ce qu'elle m'envoie? Elle m'envoie encore des bêtises. Alors attendez. Hop, photo. On va commencer, hein. On va commencer avec l'appareil photo, hein. Et photo. Ok, on est parti. Du coup, nous avons d'abord le triangle. 1, 2, 3. On valide. Ensuite le rond. 2. Ensuite le carré. Ok.
Bon, on a le ticket. Bah, déjà ça. Et je suis désolé, Rose, mais je connais déjà le futur de ta fille. C'est très triste. Non, bah, je sais pas. Plus j'aime bien les taquins. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois plus Laura. Any news? Hands off. Ah, je l'ai vu. Merci Laurent. Ah ok, d'accord, ok. Ah ok. Voilà une sale tronche, elle est peut-être déjà dépressive à son âge, mais... Développement photo. Bon. Ah, bordel. Il y a déjà le meurtre de Vander, des parents de Vandermeer. Il y a un article sur Johnson Food. Ah, ah, bordel, ok, d'accord. Anniversaire sanglant. Ouverture de l'usine. Nouvelle station. Nouvelle station ouverte. Félix perdu. Un chien sans âge. Non, vacances. Ici, hôtel en rénovation. Ouais. Yes. Ah, mais c'est... Et donc ça, c'est évidemment le... Une référence... Je crois que c'était dans Collection. Il y avait le tableau de Van Gogh. On avait même vu, du coup, Van Gogh. On savait pas trop ce qu'il a à voir dans l'affaire, mais il y avait des faits historiques comme quoi il s'était tranché l'oreille et tout. Alors, faut savoir que dans la vraie vie, il s'est tranché une oreille pour l'offrir à une femme qu'il aimait, hein. Mais il avait une maladie mentale, hein, malheureusement, Van Gogh. Donc, vacances, c'est trop parti là, c'est dans le rustique actuel. Le chien sans âge, évidemment, hein, c'est le chien
De Albus. De Albus Vanderboom. Donc, l'alchimiste qui est l'arrière-arrière-grand-père, du coup. Même pas l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Laura. Parce que c'était déjà le grand-père d'Albert, je crois. Oh, même plus que ça. Plus que ça. Ça doit remonter à 6 générations. Bref, l'hôtel en rénovation, évidemment, c'est l'hôtel de Rusty Lake, tenu par Monsieur Hall, dans lequel il s'est passé des choses. Des choses graves. J'ai oublié. 53-114. C'était le corrupt soul? Tiens, lèche ça. Je vais te couper la langue, moi. Ça mioche. Moi, j'adore les enfants, en vrai. Huit, 27. Ah d'accord, ok, faut forcément. Cher ami, j'aurais aimé ne jamais la quitter. J'aime ma fille plus que tout au monde. Mais je sais que nos chemins doivent se séparer. S'il te plaît, garde précieusement cette montre. Elle la protégera dans les années à venir. Rose. Ouais, bah, malheureusement. Ok. Mais... pourquoi il avait le masque du cerf? Bon, ok, elle est là. Hein. Elle doit être terrifiée, la pauvre. Mais on va s'occuper d'abord de ça. Un morceau de vitrail. Ok.
Il y a un problème là. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Aiguille d'horloge. Ok. Bon. Laura. Laisse-moi tranquille. Bon. La pellicule. Elle sortira quand elle aura faim. Alors, j'espère. Ah. Ok. On est le corbeau? On incarne le corbeau? Alors pourquoi j'ai pas compris pourquoi le Corrupted Soul avait le relusé. Ou alors ce n'est pas le Corrupted Soul. C'est le nouveau cerf. Qui se cache derrière l'identité du cerf, là par contre je vois pas qui c'est. Parce que ça peut pas être. Albert, parce que Albert est mort, ou alors il a la forme du Corrupted Soul, ce qui pourrait correspondre à la couleur hein, du corps, mais sauf que le masque du cerf. Est-ce que. Ah si, parce que le masque du cerf, Albert le porte dans The Path to Within, au bout d'un moment. Donc il se peut que ce soit l'âme corrompue de Albert qui appelle sa fille pour être ressuscité. Et nous on est le corbeau, on est témoin un peu de tout ça. Alors, sauf que d'habitude le rôle du corbeau joue plus le rôle du narrateur que du 1h20. Non, pardon. Il est 4h05. Non, ça... Ah.
toute façon, c'est le seul truc qu'on ait, hein. Bah non, je peux pas. Je vais pas te laisser toute seule. Ticket, please. Non, mais je peux pas. Mais je peux pas partir sans Laura, enfin. Je dérogerai à... Je dérogerai à la volonté de... Bon, on va voir, hein. Mind the gap. Et on part sans Laura, ça me paraît bizarre, mais bon. Après c'est Rusty Lake. Hein. Bonjour Laura. Bonjour quand même. Cacahuète. Une saucisse. On vit dans une saucisse. Une cacahuète ? Saucisse. J'adore ce cri de cas. D'accord. Ok. Alors. Wow. Bruit de couloir. Sam. Ok. Sam est amoureux de Johnny. Ok. Déteste les saucisses. Ok. Franky a volé quelque chose à Alex. Pourquoi elle s'appelle Alex alors que normalement son nom c'est Laura? Bobby a peur des avions. Ok. Jimmy est allergique aux cacahuètes. Ok. Laura est toujours toute seule. Putain, mais ouais, d'accord, ok. Ok, d'accord. Alors, ça va m'avoir de jeûne, je sais pas trop, mais... Jimmy allergique aux cacahuètes. Ok.
Donc Jimmy, c'est lui. Donc il n'aime pas ça. C'est qui aime pas les saucisses? C'est une fille ou un garçon? Je sais même plus. Ok. Tess. C'était Tess qui déteste les saucisses. Et c'est elle. Ok. Bobby a peur des avions, c'est un mec. C'est toi, Bobby? Bon, bah alors, Bobby, c'est le roux. Non? Ok. Drôle de nom pour une fille. Ok. Donc Johnny, Tess et Bobby, on est sûr. Ok. Du coup. On a Sam, amoureuse de. Amoureux de Johnny. Ok. Donc, attendez. C'est lui, hein, on est d'accord. Oui, c'est lui. Donc. Lui, ok. Et là, il nous sort un gros fuck. Use it wisely. Un verre. Ok. Du coup, je me souviens plus. C'est qui? C'est qui, Francky? C'est elle, du coup. Ah. Bah dis donc, c'est quoi ce cigare?
Ah. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est un 6. Six trois, 6-3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6-3-7. Ah, c'est qu'un œuf. Il t'a pas chié dessus. Tiens, Laura. It's all I have left of my mother. You can leave now. Your train arrives at 2:45. 14h45. Your train arrives at 2:45. D'accord. Mais on... Bon, bah, travaille bien à l'école. Et puis, si tu croises un Robert, invite-le à manger. Invite-le au café, il aime bien. Un peu maniaque avec ça, mais... Bien évidemment, je fais référence à The White Room. Parce que donc Laura sortira avec un dénommé Robert Hill, qui sera d'ailleurs soupçonné du coup du meurtre de Laura, alors qu'il est innocent. Et suite à ça, bien évidemment, il fera un séjour en hôpital psychiatrique, la fameuse The White Room. Excusez-moi, je reprends une liseau, du coup. Ah oui, j'ai pas de ticket. C'est vrai que j'ai pas regardé au ticket. Wow. Laura, j'ai toujours ta montre en fait. Ouais. When is that metro coming? Leave me alone. You look funny. D'accord. What do you want from me? What do you want from me? Bon, donc son C. Alors... When is that metro coming? Leave me alone. You look funny. You look funny. Thank you.
Ticket, please. C'est tout le problème. Donc on va dire qu'on va partir de là. Ça, ça, ça. Donc pour arriver ici. C'est logique, hein. Mais faut juste trouver le point de départ. Get in, please. Bon Laura, ben la bise, hein. Et puis à la prochaine étape de ta vie. C'est une tranche de saucisse, c'est ça? De saucisse, ouais. Ok. Bonjour Laura. I have to finish my sketch. C'est vrai que tu dessinais, toi. Ah. Oops. Bon, on verra bien. Nourriture et boisson.
Good morning. Oui, bonjour, tout à fait.